je vivrai le bien suffit vigiler les camalobana et belé. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Après avoir été gracié par le chef de l'État après près de 20 ans en prison, Eddie Kapende s'est fait plutôt discret. Il était rare, hein, on l'a pas vu dans les médias, on l'a pas vu en tout cas organiser une conférence de presse pour s'expliquer. Un monsieur très discret, hein, le colonel Eddie Kapende, celui-là même qui était... L'aide de camp de Mouzé, Laurent Désiré Kabila, s'est toujours fait discret, mais il y a quelques heures, Eddie Kapende est apparu dans les médias, en tout cas, hein, dans les réseaux sociaux, sur une image, une vidéo, où il ne s'exprimait pas, où il posait plutôt un acte plein de signification. C'est ce que je vous propose de suivre. Ensuite, nous allons nous retrouver pour essayer de faire une petite réflexion par rapport à l'image que vous allez suivre tout à l'heure. Je vous rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh ben n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous vous proposerons. Suivant cet extrait, nous nous retrouvons tout de suite après. Pas tout le monde. C'est mal et tout.
Un acte significatif, hein, mais alors très très significatif que vient de poser le colonel Eddy Kappend, le dernier aide de camp de l'ancien président de la République, Laurent Désiré Kabila, qui avait été emprisonné à la suite de son assassinat. Et hier, le 16 janvier 2022, on commémorait, en tout cas, c'était, on va dire, le 21e anniversaire de son assassinat, puisqu'il a été assassiné. Un certain 16 janvier 2001. Et Eddy Kappend qui avait été à son côté, vous allez vous rappeler, hein, c'est l'homme de Jordan. Il était passé à la RTNC pour ordonner à tous les officiers des forces armées de la République démocratique du Congo de lui obéir. Hein, lui qui n'était que lieutenant-colonel. Mais finalement, le pouvoir a été remis à Joseph Kabila Kabange qui était absent du pays. Et par la suite, il y a eu un procès sur l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, un procès qui aura laissé des Congolais sur leur soif, parce que jusqu'à ce jour, personne ne connaît l'identité, en tout cas, de celui qui a tiré sur Laurent Désiré Kabila. Des doutes demeurent. Et Eddy Kappend a été victime, hein, peut-être, lui qui a été condamné. Il a toujours nié les faits lui reprochés. Et c'est grâce à l'avènement de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui s'est retrouvé en liberté. Il a été gracié par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors moi, j'aimerais quand même un tout petit peu analyser si... Et seulement si Eddy Kappend avait effectivement assassiné Laurent Désiré Kabila, comment expliquer qu'il puisse aller encore se recueillir sur sa tombe, lui qui aurait été son bourreau? C'est quand même invraisemblable. Est-ce que c'est pour dans un but marketing? Je ne sais pas. Depuis qu'il est sorti de prison, il s'est montré plutôt discret. Et je pense que c'est pour la toute première fois que nous allons le voir en image, tel que vous venez de l'apercevoir, où il est allé en tout cas déposer une gerbe de fleurs, hein, à l'occasion de ce 21e anniversaire, hein, de la mort de Laurent Désiré Kabila, qui a été élevé aussi au rang de héros national par son fils, hein, Joseph Kabila Kabange. Une élévation en tout cas qui est contestée d'ailleurs par beaucoup d'autres Congolais, estimant qu'il les critères, hein, pour choisir ou pour élever une personnalité au rang de héros national n'avait pas été rempli dans le cas de Laurent Désiré et Kabila. C'est un autre débat, hein. Là n'est pas en tout cas notre objectif pour le sujet d'aujourd'hui, mais c'était de voir cet acte que vient de poser le colonel Eddy Kappend, hein, qui démontre à suffisance, en tout cas pour ma part, j'ai toujours cru en sa parole, hein, estimant en tout cas au regard des événements tels qu'il s'était passé, que Eddy Kappend avait été qu'une victime, hein, peut-être collatérale de cet assassinat qui demeure, hein, encore flou. Aujourd'hui, nous continuons à ignorer quel était le vrai coupable, donc dans cet assassinat de Laurent Désiré et Kabila. Donc il est allé déposer sa gerbe de fleurs à la tombe, au mausolée de Laurent Désiré et Kabila, pour signifier son attachement à cette personne, hein, qu'il a servi jusqu'au dernier jour de sa vie. Et je pense que là où se trouve Laurent Désiré Kabila, il doit être plutôt heureux et satisfait que ce soit Eddy Kappend qui vienne, parce que s'il devait se réveiller aujourd'hui, Laurent Désiré Kabila nous ferait des révélations et peut-être que cela nous étonnera très très grandement. Voilà ce que nous avons voulu un tout petit peu échanger, hein, avec vous sur ce sujet qui nous a paru intéressant de partager avec vous. Alors si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, hein. Merci de partager avec nous aussi votre propre point de vue. Quelle opinion vous faites, hein, par rapport à cet acte que vient de poser Eddy Kappend? Est-ce qu'un acte qui est posé en hypocrite pour essayer un peu de tromper les gens, de dire, hein, que je n'y suis pour rien par rapport à la mort de cette personnalité? J'étais à ses côtés, j'étais proche de lui et donc je n'avais aucun intérêt à pouvoir le voir mort, et surtout pas de cette manière-là. Eddy Kappend libéré, mais qui reste très très discret
secret encore jusque-là. Moi, je pensais peut-être qu'il allait se lancer en politique, mais rien. Il est peut-être en train de savourer sa liberté calmement. Il ne veut pas se créer des problèmes. Alors, je l'ai dit, si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Partagez avec nous votre opinion en nous la laissant à travers un commentaire. Mais surtout, si vous êtes nouveau ou ancien sur cette chaîne et que vous ne vous êtes pas encore abonné, eh ben n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Pour cela, cliquez tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.